Oh, j'appuie sur le bouton, le stream... Oh, le stream n'a pas planté. Salut, YouTube. Incroyable, n'est-ce pas? Isaac, donc. Isaac Afterbirth. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Débloquer The Lost, mais... faut faire des green mods. Ou des gridier qui maintenant valident les deux. Mais pour avoir une chance de battre Ultra Grid, faut être méga vénère. The Forgotten l'a fait. Isaac, il l'a pas fait, putain. Ah oui, on avait eu une run surcraquée avec Isaac, mais pas en gridier, juste en grid. Magdalene. Magdalene a plein de cœurs rouges, ça peut être bon plan. C'est un gros tiers up, mais bon, c'est pas dingue non plus, mais c'est ok, tiers. Y'a un truc en haut à gauche du stream qui clignote. Et oui, c'est quoi? Pourquoi y'a ça? Pourquoi ce PC? C'est Discord. Ah oui, mais Discord, c'est vraiment de la merde, Discord. Hein. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, Discord. Je sais pas pourquoi maintenant il force son overlay sur tous les jeux. C'était... Il le faisait pas avant, ça. Ça, c'est fort aussi. Ok, du coup, juste un tiers up, c'est pas si dingue en vrai. Le problème, c'est qu'on peut pas, à part si on a une clé directement dans le shop, on peut pas directement aller voir la vraie clé à la salle d'objets. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'on a un rocher marqué sur la gauche, là. Et que pour l'instant, la sélection d'ennemis est assez sympa. Ah, voilà. Maintenant, c'est de la merde. Suffisait d'en parler. J'oublie tout le temps que c'est une speed-up, forcément. Merde, j'aurais pu en profiter pour les faire bomber le rocher marqué, je suis vraiment un sac à merde. J'aurais absolument dû penser à optimiser comme ça. Les mecs qui balançaient des IPK, qu'il fallait qu'ils bombent le rocher marqué, bon c'est pas grave. On est en gridier là, ouais. Il n'y a même pas de bombe là. Ça donne une bombe, non? Ouais. Ouais, mais putain, un black art et trois bombes, c'est pas très rentable. Et ouais, mais le problème, c'est qu'il y a aussi une bombe là, donc ça serait intéressant. À la limite, je pourrais l'acheter et au cas où il y a une troll bombe, au moins, ça serait ouvert. Petit cricket said. La vérité. Prends pas cette pilule, je t'en supplie. Eh, hey, c'est pas mal, Capricorn. All stats up. Et ça me donne une bombe. Est-ce qu'on pense qu'il y aura une bombe dans ce coffre ou est-ce qu'on pense qu'il y aura une bombe là? C'était évident. J'allais me faire baiser. Mais des fois, il y a des bombes dans les rochers marqués. Donc bon, ça se tenait comme raisonnement. Ok. Ah, j'ai oublié que Capricorn, en plus de donner des stats, donnait une bombe et une clé. C'est cool.
Ça c'est très con. T'as les verts sont chiants, c'est vrai qu'ils s'arrêtent très régulièrement pour tirer devant eux. Bon bah goodbye les cœurs bleus hein. En même temps on s'en fiche, l'avantage de jouer Magdalene sur, sur ce genre de run, sur grid, c'est que vu que la le Devil Deal arrive quoi qu'il arrive, y a pas besoin de pas se faire toucher ou je sais pas quoi. Du coup c'est plutôt avantageux d'avoir moult cœur rouge. Mais ça me ferait chier de prendre matchbook quand même pour ça. Mais imaginez, il y a cricket 7 quoi. Oh d'accord, cool. Oh là là, des cacas généreux. J'ai même pas le petrified poop. Un Magdalene par contre contre Lust c'est jamais bien. Même si on a eu un speed up. Jeu de merde. Jeu de merde. Oh gros jeu de merde. Gros jeu de merde. Du coup, adieu les Devil Deal. Enfin si peut-être, mais là on a rien eu. Mais là on n'est pas content. Ça arrive souvent avec Magdalene, hein, que le premier Devil Deal, ça soit une carotte. Et du coup, on peut même pas exploiter le fait d'avoir tant de cœur. Fuck! Et bisous, Jean. Merci, El Famoso Silvero. Pour les 100 bitcoins. Et le conseil. Mais c'est bon, ça marchait, tu as vu. Merci à Nigel Front. Pour le prime. C'est de la merde. Également. Très petite chance d'avoir des objets spacebar dans les chambres d'objets. C'est pas ouf. Ah, ça réduit la chance. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est plutôt oui alors. Quoi qu'il y a certains objets spacebar qui sont pas dégueulasses. Damien 7 qui s'abonne. Ah, Damien 7, incroyable. Cette game Mirama restera dans tes annales. Ah ouais. Non mais attends, c'est dégueulasse Damien 7. C'est vraiment le pire tournoi au niveau de l'organisation que j'ai jamais vu depuis des années. Je vais à droite pour rigoler, mais vous, même moi, voilà, moi quand je rigole faussement, je suis un professionnel. Donc moi je me disais, je vais à Lille et il y aura des scooters des mers. Résultat, non, il n'y a pas de scooters des mers car les settings de la game étaient catastrophiques, soit. Mais en plus de ça, il y avait très peu de temps pour le premier shrink. Et comme un con, ensuite, bon, je suis allé à droite au lieu d'aller à gauche, donc j'ai dû nager sur 800 mètres et je suis mort. Mais scandalisé. La carte batterie en solde, c'est plutôt fat, hein. Mais on n'a pas encore d'objet spacebar bien. Et notre no, notre trinket no, va nous empêcher d'avoir d'autres objets spacebar. Donc c'est pas clair. Oui, je suis allé à droite, c'est ça que je veux dire. Mais ça, je savais pas. Je l'ai su trop tard. Il faut jamais faire confiance à son chat, hein. Dans le doute, ne jamais faire confiance au chat. Bon allez hop, tous les items sont en solde, je sais. Mais ça c'est là, voilà et voilà, direct derrière, le truc c'est de la bite. Ouais mais là du coup j'ai pas de damage up et je vais me taper ça. Oh. Bon ok, si on a une vraie... Bah tiens. Je mets death parce qu'ils ont beaucoup trop de vie. Ah et même avec la carte death, ça prend 100 000 ans de se débarrasser des champlars pourris. Ah non, c'est parce que le vert était particulièrement dissident. Cette game elle va aller nulle part, hein, je le sens. Je sais pas si c'est une bonne option finalement d'avoir d'avoir mis l'objet, enfin le trinket. Je pourrais peut-être m'en débarrasser d'une trinket qui réduit notre chance d'avoir des objets activables. Parce que finalement avec la carte batterie on en rêve. On rêve d'avoir des objets activables. Ça dépend lesquels. Hey, la Blanca.
Je vais l'acheter, je la jette maintenant. Nice. Bonne optimisation. Par contre, il est chiant là avec ses larves. Genre, mais genre super chiant quoi. Mais genre, faut que ça s'arrête quoi. Ah, c'est les derniers ça. Ah bah génial. Ah oui, mais là ils me suivent, donc le fait que j'ai le Anemic Blood, c'est plutôt bon plan. Allez-y, courez dans le sang. Oui. Ballot. Double pin, énorme. Plutôt facile. Et voilà une gel room. Oh là là. Ça va, c'est pas trop dégueulasse, mais bon. Avec autant de cœur rouge, nous, on voulait du Devil Deal craqué, c'est ça qu'on voulait. Si je prends ça, j'aurai plein de pilules, c'est génial, mais j'aurai plus jamais de cartes, donc plus jamais Two of Diamonds. Donc ma vie, c'est de la merde, oui. C'est pas dingue, hein. On va s'arrêter là? Et on va essayer de faire notre shopping au prochain étage? Oui. Le titre du stream. Oh... Allez, je vais renommer le stream en le titre du stream. Mettre à jour. Ok. Alors. Ah ! Bon, c'est de la merde. Mais on aura 5 bombes. Mais c'est de la merde. Oh putain. Luck et HP up, mais là au niveau du DPS, on est nul à chier, hein. Il va falloir qu'il se passe un truc, quoi. J'hésite à prendre... Je suis sûr qu'il y a, Cricket 7, quand même. J'ai un Cricket 7, ça se refuse pas, quoi. Et ça, c'est de la merde, oui. Ok. J'adore ma vie, j'adore ma vie. Ok. Bravo. On est chaud. Ah merde, ça c'est chiant. Merci le poison. Merci l'anemic blood. Merci. Merci la vie. Le problème c'est que derrière faut battre Greedier quoi.
Et en fait, en vrai, sans Two of Diamonds ou sans D6, sans arnaque, compliqué d'avoir un vrai build surcraqué, imbattable. Notre famille aide bien quand même, hein. Si on était en grid, pourquoi pas, mais là en gridier. Ah merde, j'ai même pas fait gaffe. Là. L'innocent. Gros casse-couille, gros casse-couille. Tu veux pas mourir? Merci. Oh Ming! Ah bah génial! Quel plaisir! Ah, le familier il me carry, hein. À mort. Alors Judas Shadow, après réflexion, après n'avoir eu aucune réflexion, je me dis que c'était pas nécessaire. Même si j'ai pas terminé avec Judas. Du coup, prendre le HP up et pas déconnant. Bon allez, encore un objet de chat et on est guppy. C'est surtout pour ça que ça peut être intéressant. Ah, pas mal. Un cœur bleu et donc les balles ennemies ont une chance d'être repoussées, déviées. Ça c'est de la bite. Ensuite le cœur bleu on l'aura là. Par contre, ouais. Par contre j'aurais dû d'abord me prendre les dégâts de la salle de curse avant d'aller prendre le truc qui me donne un cœur bleu. Encore une grave erreur. Tellement magique. Tellement romantique. Attends, ça c'est fou, mais c'est pas fou ici. C'est le seul truc où c'est nul, c'est le green mode. C'est quand même triste. Petit cricket sad. Guppyette plus carbatterie, c'est cool par contre, ouais. Ensuite les cartes ça peut être cool mais Bah le bonne heart c'est cool mais pas quand on n'a pas de cœur bleu pour le protéger quoi. Judas a validé le gridier. Non Judas il a rien validé donc oui si on meurt et qu'on réussit en Judas c'est pas mal. Mais le problème de Judas c'est que c'est une résurrection à la salle précédente donc il est peu probable qu'on termine avec Judas donc c'était une idée à la con. On va essayer là, j'ai des bombes. Il peut y avoir la super secrète. Et au pire, j'ai la batterie. C'est vrai que j'ai double Guppy's Head quand... avec le car batterie. Et ça, c'est fort. C'est vraiment très fort. Mais ça serait encore plus fort si j'avais du dégât. Hop. Mais là, le spawn de mouche, il est débilos. Rien qu'avec Guppy's Head. Mais c'est, ça va être surtout, ça va surtout être fort pendant les vagues. Ça sera pas fort contre Ultra Grid. Génial. Et là, ouais, ça va me carry à mort. Ah, génial. Ouais, je prends cher. Je prends si cher. Au secours.
C'est mon familier qui me carry en vrai. C'est dingue, hein. Et faut que je me protège plus avec ma couille de guppy. Énorme objet, sous-estimé. C'est une erreur. Ah, il vomit celui-là. Je me disais pourquoi l'autre il vomissait pas. Voilà, j'ai ma réponse. Ma vie c'est de la merde. Eh ben, ça va être compliqué, hein. Très objectivement, ah, le monstre 2 de nulle part. Qu'est-ce qui m'a touché? On sait pas. Au secours. Oh là là, oh quel enfer. Oh le double Carrion Queen, super. Super, super les caca rouges, on adore les caca rouges, on adore. Merci la mouche explosive. Ah mais je vais mourir. Désolé, je viens de m'en rendre compte, hein. Ça sent le prank de la mouche. Non mais sérieusement, oh, et les Devil Deal. À chaque fois avec Magdalene, pas de Devil Deal, on sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, parce que le jeu est dégueulasse. Ah, il fallait que je prenne ça avant les... Oui, non, je pouvais pas savoir. Mais vraiment, ils me remettent la même. Les cartes en solde, ça peut être fort. Justice. Ça me donne pas la super secret. Oh, j'y croyais tellement au Two of Diamonds. Mais non, là, en fait, je vais me faire baiser. Oui, non, mais on connaît la tourelle. Oui, la tourelle, c'est pas mal, mais... Mais non. Quoi qu'on poserait double tourelle. Ah, le fait qu'on poserait double tourelle est pas si mal. J'ai plus d'argent. J'espère que ça n'inquiète personne. Ah, Grid va tuer la tourelle. Ah oui, c'est vrai. Oh, donc c'est de la merde. Merci à tous. Oh là 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 là, de la full beat. Oh là là. Au secours. Quoi, y'a pas de reroll? Oh, cette partie qui sert à rien. Je vous annonce qu'on a perdu. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Ouais, ça commence fort, hein. Beaucoup de plaisir. Oui, d'accord, ok. C'est là qu'on sent que j'ai un petit déficit au niveau des dégâts. Et heureusement, il y a les tours. Hein.
Sérieusement? Génial. J'adore ma vie. C'est pas du tout le bordel. Allez, un gros devil deal. Putain, avec ça, brimstone. Brimstone! C'est énorme ça. Ça c'est potentiellement énorme. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? On est d'accord que oui, non. Ah bah d'accord. De toute façon, ça règle le problème. Mais oui, l'autre trappe menée au même endroit, c'est sûr. Je crois qu'il n'y a qu'un seul espace dédié pour l'arnaque. Voilà, full beat, full beat. Oh. Ouais, super, merci. Bon voyage. Is ok, is ok. Mysterious Liquid, c'est pas si dégueulasse. On va évidemment essayer d'exploiter le mendiant. Ouais, on va d'abord aller voir les objets quand même. Ah maintenant, il y a plus d'objets ici. C'est la fin du rêve. Ok. Seulement, j'ai un item martien. Oh, il y a le Two of Diamonds. Sa mère. Oh! Putain, meilleur mendiant de la vie! Ok, Two of Diamonds qu'on va évidemment attendre un peu. On va attendre un peu avant de l'exploiter. Bravo, sublime. Ok. Au secours! Mais JPP! JPP! Tellement magique! Mais sa mère!
Sérieusement, mais sérieusement. J'ai pas utilisé mon Two of Diamonds avant. Espèce de vieux défoncé. Mais y'a Sheol encore, non? Non, j'ai déjà fait. Ah non, c'est la fin. Ma vie est merdique. Officiel merdique, c'est ça? Officiel merdique. Allez, je mettrai 27 pièces. C'est mon cadeau à la commu. Ah non, il me reste qu'une bombe. Parce qu'il y a des pièces en haut aussi. Non mais là, on a ultra grid, super grid. Ah ouais, voilà. Super. Merci pour l'argent. Énorme. Ah non. C'est pas dingue, hein. Quelle vie. Je suis trop faible. Ma vie est dégueulasse. Tous ces efforts pour rien. Quoique avec une bonne couille de guppy... Sérieusement? Ah, il me lâche un cœur rouge, he's ok. Il est où? Il y avait un cœur rouge? Merci. Ah, merci. Qu'est-ce qui me lâche des cœurs rouges? Qu'est-ce que j'ai eu déjà? C'est le All Bandage? Ça, si j'avais l'item martyr, ça aurait été fort parce que j'aurais pu mettre des toiles partout, mais bon. Oh là là, 12 000 coups pour faire. Oh! Juste pour faire disparaître une pièce, quoi. Génial, hein. Quelle ambiance. Qu'est-ce qu'on est content. Des PS de ses morts. En fait, lui, Ultra Grid, ça va être facile, mais derrière... En fait, je connais mal le... Je connais mal le prochain boss. Et donc, je vais me faire ouvrir le cul. Spoiler. Sérieusement, putain, je suis impardonnable, impardonnable. Je crois que le boss d'après, il enlève un cœur. Contrairement à tout le reste du green mode qui enlève qu'un demi. Ah, j'ai 25 pièces, génial. Ah, je me suis déjà fait toucher, c'est bien.
Ah bah c'est bien, j'avais peur que ma vie soit merdique. Maintenant c'est confirmé. Sérieusement ? L'aura infinie quoi. Casse-couille, casse-couille. Y'a un cœur. Non, y'a pas de cœur. Allez, avec Judas Shadow, je vais le battre. C'est sûr. Ah oh putain, en plus, il continue à me lâcher des cœurs rouges, mais j'ai pas de cœur rouge. Quel plaisir. Bon, j'en ai plein le cul. Ça confirme que, à part si on a des objets fous ou qu'on ait de quoi de casser le jeu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est compliqué. Merci The Hollow Movement pour le host. Merci Lactel Pêche et SuperOps47 pour les primes. Merci beaucoup Karl Marx Gaming et Lunacraft. Merci Bacadevel qui nous avait host aussi à 20 minutes. Excuse-nous. Là, avec le jus de pomme et les événements malencontreux. Si Ennar pour le prime. Chaud, hein. Ça, c'est un bon deal. Quoi qu'on s'en fout, parce qu'on est sûr de l'avoir, le Devil Deal. Donc finalement, ça reste un beau dégât up. Ici, on en a un autre. Mais en vrai, il faut des tiers-heures. Enfin, il faut des objets très forts, quoi. Alors évidemment, ça serait chiant de reset jusqu'à avoir un Magic Mushroom et qu'on sort. Mais... Et voilà quoi, ma vie c'est de la merde. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est un Two of Diamonds, ça. Ah du coup j'ai pas reset la VOD YouTube. Ah ouais, oh, je vous prépare une petite VOD de 2 heures où on perd 2 fois. J'espère que sur YouTube ils vont kiffer, hein. Parce que là on se donne, hein. Énorme. Na na na. Wouah 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 wouah. L'ennui est absolu. On s'en cache même plus, hein, c'est incroyable. Scandaleux. Mais ouais, le green mode c'est chiant. Alors c'est bien d'avoir mis Gridier pour qu'il y ait un défi derrière, mais en fait, ça rend le mode d'autant plus débile. Parce que avant, on pouvait arnaquer avec un build médiocre. Là, entre guillemets, faut plus ou moins casser le jeu de manière garantie, quoi. Ensuite, c'est vrai que je connais mal le vrai dernier boss, donc j'ai tendance à faire nimp. Non mais oui, mais évidemment que je me donne, mais c'est parce que j'en ai plein le fion. Voilà. C'est tellement pénible de repartir du début avec un build anecdotique. Le mode Gridier donne moins de pièces, donc plus dur de casser le jeu et remplir la machine. Ah, c'est ça. Donc finalement, fallait peut-être faire comme on faisait, c'est-à-dire commencer par le grid et ensuite valider le Gridier.
Mais c'est notre avarice qui nous pousse évidemment à vouloir faire les deux d'un coup pour avoir à moins faire ce mode de mort. Loin de moi l'idée de dire que j'en ai plein le cul, mais... Superbe. Ça mériterait un Metal Gear, hein, on est 10 000. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouh ! Le jeu de jambes Zidane. Allez, grisou ! Mais on s'emmerde ? Oh là là ! Pourtant, j'ai un pentagramme quoi. Je veux dire, j'ai pas un DPS de nouveau-né. Mais ils sont 12 000, là. Ils devraient être 2. 1 ou 2, ils sont 12 000. Donc forcément, c'est long. C'est beau, mais c'est long. Allez, on va nous mettre un Devil Deal, le jeu il est pas dégueulasse. C'est pas dingue. Hein. Je vais prendre ça parce que forcément... Forcément ça peut devenir fort, et au moins ça ouvre les Devil Deals. Genre ça. Double actif. Non mais c'est de la bite. Pourquoi je fais ça? Je peux plus acheter de clé. Espèce de connard. Oh mon dieu, la carte batterie. Je peux m'énerver, hein. Parce que c'est double actif, mais mon actif, c'est le Yum Heart. E-coli pour les cacards. Oh là là, petite VOD de 2 heures infernale. Oh, le jeu nous gâte pas, hein, d'habitude, voilà. Hein. Ils sont où, là, hein, tous les cons qui disent « MV, il a trop de boules, moi, quand je joue, je suis une merde !» Wow. Merci, Yakoma, pour les 600 bitcoins. Alors... C'est pas dingue, hein. Ah. Bon, c'est pas l'objet de l'année, je vais pas vous le cacher, mais regardez là, un petit cricket sad. Pas si dingue en vrai. Pilule. Ah oui, non mais la pilule, on sait ce que c'est speed up. Toujours speed. Bah voilà. Speed up. Oh, l'item martyr. Oh, c'est un nickel ça. Oh, j'ai mal mais je m'en fous. Ah. Enfin, dime. Voilà, c'est mieux. Oui. Mmh.
Bon, Magic Mushroom, évidemment, voilà, au-delà du dégât, sera surtout un multiplicateur de dégâts sur toute le run, tout le run, ou toute la run, on s'en fout. Et les Continuum Tears, non seulement, bon, ça passe à travers le mur, lol, mais surtout, c'est spectral. Donc, c'est pas si mal, avec des larmes plus grosses. On n'a pas encore les larmes transperçantes, mais on est déjà bien. Hein. Oh, 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 petite VOD 8h. Mais bon, quel plaisir de gagner à la fin. Merci à tous. Merci à tous d'avoir cru en moi. Sans relâche. Bien sûr. Il n'est pas accompagné? D'accord. Un, c'est un seulement, ouais. Le sombre, c'est un. Un seul dash, c'est ok. C'est pas ça. Son invocation d'araignée qui va nous faire... Ah oui, non, c'est d'accord, c'est le deuxième boss. J'ai eu peur, parce que si le caca, il invoquait ça... C'est bon, j'ai arrêté tout, hein. Et je peux me mettre là, sinon. J'ai tous vous baiser. Mais de l'autre côté... Oula. Regarde. Allez, on se détend. Et on y va. Bravo. Oh là là, double envy, non mais vraiment. Bon, au moins il y a que ça. Mais ça va être long. Il est pas spectral ? Mais si, regardez. Ah, il est peut-être... C'est juste qu'il a énormément de hauteur de l'arme, alors. Et du coup, elle est si haute qu'elle passe au-dessus de la roche. Ça peut être ça aussi, hein. Okay, est-ce que c'est possible ? Le doute m'habite. Qu'est-ce que je branle? J'ai envie d'avoir une vie. Non mais qu'elle passe au-dessus des murs, c'est convenu parce que... Oui mais de toute façon, si oui. Si elle a ce délire de loopback, elle est spectrale de base, c'est évident. Putain mais c'est dingue! On n'a jamais de Devil Deal en premier étage avec Magdalene. Nous n'avons jamais de Devil Deal. C'est que de la chiasse. Oh là là. Épuisant, quoi. Merci, Morgane. Des bisous. Ah, qu'est-ce que t'as fait au FFS, Morgane? Item martyr, ça peut être un bon plan sur l'avenir, mais bon... Allez, je joue les objets en solde. Fuck them all, Mylène Farmer. En vrai, j'aurais dû prendre le... Est-ce que je prends l'item martyr? Je peux pas. Là, je peux. Point item martyr. Même avec Yum Heart qui est nul, ça peut être utile.
Item martyr, c'est quand je me prends un coup, je regagne une charge de mon objet spacebar. Ça, c'est nice. On est max tier rate déjà. Enfin, max convenu, entre guillemets. Ok, cool. Very nice. BFF pas encore besoin. Ouais. Eh bien, faut la clé, d'accord. Là, c'est déjà plus jouable. On peut entretenir un peu d'espoir, peut-être. Si on nous met un bon Devil Deal dans... Quoique, je vais peut-être avoir God Room. Ce qui peut être bien ou un drame. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas débloqué des trucs comme Godhead, quoi. Bravo. Alors, clé into Curse Room, si jamais il y a encore un coffre doré, c'est pas le cas. Ok, useless. Du coup, forcément... Ah non, ça peut être Curse Room ou en bas, quoi. Datsuki qui nous permet d'avoir le visuel éventuellement sur la Secret Room. Oui, ça peut être partout, item room et machin, ma vie c'est de la merde. J'en ai plein le cul. Merci à tous. Ah le bâtard. Finalement, la technique qui avait l'air safe était la technique merdique évidemment. Ah bah voilà. Ah mais maintenant que j'ai des larmes rapides et le loop around, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer knife? J'imagine que oui quand même. Pas sûr. Brimstone évidemment tous les jours, mais non. Allez. Peut-être envie de garder l'Yum Heart quand même, hein, je pense. BFF, tout ça, pas besoin. C'est une écho de 5 pièces. Ah oui, je suis con parce que Datsuki ouvre cette pièce-là également. Ok, ouais, Datsuki avait du sens, du coup, je suis loin des connards. Mais bon, d'un autre côté, le soin... ouais. Mais oui, en effet, ok. I get it.
Ma vie c'est de la merde. Je comprends que ma vie c'est de la merde. Merci à tous. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Mais comment on peut être aussi con? Oui, nice. Je play à la paye et ça paye. Pourtant le taux de spawn sur Atame est beaucoup plus faible que Move the Void, ou c'est le contraire, je sais plus. Putain mais je suis vraiment le roi des quichards. Roi des connards, putain mais comment je fais quoi? Enfin impressionnant. Putain déjà plus de cœur noir, oh là là, sérieux quoi. Alors j'en ai droppé un quoi. Quand même plus sympa d'avoir Maw of the Void hein, que tenir là-dessus quoi. Allez, Fomorea, Fomorea! De grâce! Bonne nuit, Morgan. C'est beau, mais c'est long, hein. Oh là là, oh bah oui! Superbe. Sérieusement, mais ah bah super. J'ai pas m'énervé hein. Oh là là, quel enfer. Or, les bombes illimitées. Ah oui, bon plan. Très bon plan. Ah bah, génial. Faire le soin ou ça? Ça reste 4 charges quoi qu'il arrive. La merde. La grosse merde. On est bien d'accord que ça sert à que dalle vu que j'ai pas de cœur bleu. Faut une vague où il y a pas mal de monde quoi. Donnez-moi des cœurs noirs, donnez-moi des cœurs noirs. Putain, j'ai loupé tout le monde, bravo. Tiens hop, c'est de la merde. Ah c'est de la merde, merci à tous. Je m'énerve pas, hein, je m'énerve pas. C'est qu'un jeu vidéo. Hein. On a vraiment être con pour s'énerver pour un jeu vidéo. Ah tout ça c'est mes potes, ok. Donnez-moi un cœur noir, putain. Bon, Infestation 2 au moins fait son taf.
Et voilà, c'est le bordel. Qui sont mes potes? Qui sont les méchants? Au secours. Le bouquin comme d'hab. Ah par contre lui il a défoncé tous mes potes quoi. Mais quoi mais qui putain mais du... C'est le poisson par terre. Oh, j'en ai marre. Ah, ah. Oula attention. Sérieusement. Ok. Oh là là, encore la double. Heureusement que j'ai ouvert 3 bouteilles de poppers dans mon bureau. Hein. Sinon je le vivrais mal. Hein. J'ai des bombes. Ah oui c'est vrai. Superbe. C'est vrai que j'ai des bombes. C'est vraiment un chat extraordinaire. Mais sérieusement, bordel de merde! J'en ai marre là, c'est pas correct hein, ce qu'ils font là, pas correct. Et ça transforme. Non mais j'ai déjà le bref. Le Conquest, c'est pas si mal que ça, le Iron Bar, mais... C'est vrai que j'ai mon but limité, allez. D'ailleurs, j'aurais dû être plus exigeant. Quoique le jus de Jésus, c'est bien. Ah oui, alors ça, c'était du full bullshit, non, la dernière fois? La dernière fois, tout le monde m'avait dit « Oui !» Ah non, c'est pas ça. Mais l'autre truc qui était censé one-shot Ultra Grid, ça n'a pas marché. Full bullshit. Clé en solde, on va prendre. On arrive à Sheol derrière. Je peux en reprendre une, non? Ouais, je peux en reprendre une. Ah non, derrière... Non, c'est bon. Je suis bon. Ah, c'est fini. Superbe. Le Rain Job, c'est pas mal vu qu'on a les trucs qui bouclent, mais bon. C'est pas dingue non plus, quoi. Ça, c'est fort quand ça marche. C'est-à-dire rarement, en green mode. Le familier batterie. Yam Heart plus Incubus plus Martia. Ou ça, Incubus. Oui, je sais que c'est en sol.
Ah, combien de conception? Mais combien de conception? Il faut que je m'en prenne plein le fion. Faut que je me fasse toucher, quoi. Bon, par contre, Book of Secrets, je vais pas le prendre, même pour la solde. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Le no. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus trop envie d'avoir de space bar items, donc c'est pas déliant, c'est pas déconnant. Mais on avait 15% de chance d'avoir un double objet, quoi. T'as des batteries, là, c'est free. Ah! Oui, c'est vrai. Enfin bon, free, oui et non, parce que, ouais. Mais le... Je crois que le lit, il va fonctionner, normalement. Le lit, il a pas fonctionné parce que j'avais de la vie, j'étais full life. Je crois que le lit, j'y vais quand il me reste un cœur et c'est bon. Hein. Ok, il y a la succube. Le succube. Soigne 3 cœurs, le lit. Ah non, c'était full life. Ah, dommage de pas avoir fait ça sur les mobs pour les cœurs noirs en rab. Ah bah oui, mais bon, on savait pas qu'on allait avoir un moyen de se... Ouais. Mais ils sont où les... Ah oui, d'accord, j'ai le démon de ses morts. Non, ça sert parce qu'en fait, j'ai récupéré en Devil Deal Cambion Conception. Et le délire de Cambion Conception, c'est quand je prends des dégâts. Enfin, au bout de 10-15 coups, je gagne un familier, donc là, la succube. Au bout de 20-30, un autre, là, le Demon Baby. C'est pas l'incubus qui, à un moment... Il arrive quand, le prochain, là? Oui, c'est de la merde. Go horseshoe, c'est ce que je voulais faire, mais c'est trop tard. Trop tard. On est bon là ou j'attends quelque chose d'autre? Voilà. Mais on sait jamais, une échelle de corde, un truc. En fait, on aurait pu avoir Incubus ou une autre succube, ouais, ça fait assez aléatoire. Parce que là, le Demon Baby, bon, c'est pas dingue, quoi. Ah, Curse of the Blind. Donc, du coup, le shop me sert à que dalle. Parce que c'est du full pif et on aime pas trop ça, hein. Eh ben c'est génial. Ça y est, je sais plus qui sont mes amis, qui sont mes ennemis, et ça va me jouer des tours.
C'est Double Cage? Oui, c'est Double Cage, génial. Allez, allez. J'y crois à mort, c'est la bonne. Il va se passer un truc extraordinaire. Mais ça sera forcément au shop parce que là on est Curse of the Blind. Les Devil D, je les prends tous hein. Quelle indignité. Ah oui, j'ai KO, c'est vrai. Quelle indignité. Merci Ced pour les 500 bitcoins x2 à nouveau. Merci énormément. Merci Dewitos qui arrive sub tier 2. Merci Silverback pour le Prime. Kawelin également. Yakoma. Tant d'autres. Merci. Hop. Là. Ok. Intéressant. Plutôt intéressant ce qu'on nous propose. Très intéressant même. Ok. Bon, on n'a pas pris de LED 4 tout à l'heure, hein, tant pis. Health up. Immaculée Conception. Après qu'on a récupéré assez de cœurs, Isaac gagne de manière permanente un familier angélique. Putain, je connaissais pas, ok. Peut être fat. Est-ce qu'on aura l'occasion vraiment de ramasser des cœurs? Non, je suis pas sûr. Ça ferait 2 sur 3. Et retomber un cœur rouge, ça me casserait les couilles là, hein, je vais être très honnête. Oh, c'est Leech que j'ai eu, quel enfer! Là c'est bon, c'est fini, je peux plus avoir de familier. Avec combien de conceptions? Après le DD, oui, on... non, mais le DD, ce sera forcément de la merde. Ah, oui, par contre, c'est vrai que j'ai le truc qui me permet de régénérer de la vie toutes les 45 secondes. Bonsoir. Je peux attendre, 1000 ans. Tu sais que ça vous ferait plaisir. Ah, là, il y a beaucoup d'ennemis, c'est plutôt cool. Il nous manque des dégâts, hein. Le build est pas mal mais il nous manque des dégâts. C'est sûr. Beaucoup de dégâts en vrai. Ah, y avait lui, ah, y avait, d'accord.
Quelle indignité. Ah, ça me donne du shot speed up. Allez, c'est gratuit. Ah, mais ça devait me soigner aussi. J'aurais dû le prendre après avoir abuse de lui. Bon, du coup, en faisant ça, on oublie notre cœur éternel. Quel con. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde. Allez, on le prend. Double Demon Baby. C'est du DPS, hein. C'est con parce que si j'ai pris le Dead 4 avant, pourquoi pas. Mais là, je peux pas me permettre de perdre 5 coeurs hein, pour un Dead 4. Cube of Meat, c'est fort, mais j'ai pas l'utilisé en vrai. Ah, j'ai eu le Seraph parce que j'ai pris des coeurs. Non, le Seraph, je l'ai acheté. Beaucoup de chance d'avoir Guppy, mais ouais, enfin j'ai pas de perdre 5 heures quoi. Le vol sera pas terriblement utile. Le shrink, on s'en fout un peu aussi, hein, en vrai. Tu peux refaire tes cœurs avec des items en solde. Mais là, en fait, ce qui me permettrait de casser le jeu, c'est un Bloody Penny. Un truc du genre. Non, mais pas un Bloody Penny. Anti-explosion pour win. Ouais, ouais. C'est pas dingue, hein. Ah, c'est fort ça, non? Le cercle de protection. C'est un objet de Godroom. Mais j'ai plus de bombe. Enfin, il y a une bombe en promo, d'accord, mais... J'aurais peut-être pu prendre le shield, ouais. Insiste avec le Dead 4. Là, ça aurait été le deuxième et c'était bon. C'est pas dingue. Et putain. Et derrière, il y avait ça. T'as, je suis pas Léviathan. Ah, Seven Seals, ça avait pas parti de Léviathan. J'ai un objet de Séraphin aussi avec le Séraphim, ça compte. Non mais le collar Osef, c'est pour revenir sur la salle d'avant, donc c'est ridicule. Ça nous sert en aucun cas. On va encore se faire tabasser le cul, quelle vie! Le coup de Guppy, hein, trop tard. Mais bon, on va gagner grâce à mon talent naturel. Merci à tous. Ah, c'est vrai qu'entre temps, on a gagné le. Merde, j'ai utilisé le bouquin. Alors que mon bouquin, je voulais l'utiliser pendant le combat avec Grid, vu qu'il y aura plein de monstres, surtout s'il ouvre les portes. Mais c'est pas grave, vu qu'on a l'item martyr. Allez, merci à tous. Bon, le but, c'est de pas se faire toucher trop sur ce combat-là. Ah, j'ai déconné, putain, je l'ai utilisé par erreur. Parce que là, il y a tellement de spawn d'ennemis qu'il y avait moyen de se faire un bon bouquin, quoi. Et de ramener plein de copains. Ah, par contre, oui, le halo, c'est pas mal, hein. Manque un peu de dégâts.
C'est vrai qu'en étant Guppy, ça aurait été fou parce que déjà je spawn pas mal d'araignées. Ça va être long, ouais. C'est le problème principal. Oh la leech! La leech qui carry la sangsue. Énorme! Il a été mangé le nickel. Il y avait une pièce de 5 en haut à gauche. Il me semblait pas l'avoir pris. Bah c'est de la merde. Et c'est vrai que s'il passe dessus, il le baise. Putain, j'avais oublié, j'aurais dû le rusher en fait. Terrible. Il y a une batterie par contre. Allez hop, des petits potes. Ah, quoi que j'aurais dû le garder pour ça, ah là là, parce que là il y a 12 000 mecs qui sortent. Mais peu importe, hein, eux me rapportent des araignées, donc c'est vraiment cool aussi. Secours. Mais je sais tellement pas affronter Ultra Grid. Tue-les avant le heal. Eh merde. Ah bah super. Allez, il faut être concentré sur les portes aussi. Elles annoncent, hein, elles annoncent en s'ouvrant. C'est très discret, mais elles annoncent quand elles vont vomir. C'est de la merde. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est de la merde. Sérieusement? Oh, ma vie est merdique. J'enchaîne les mes performances. C'est vrai qu'un truc anti-explosion était sympa. Hein. On arrive péniblement à la moitié. Sérieux? Putain, mais quel jeu de merde! Je peux m'énerver. Sérieusement, mais oui, mais c'est vrai que c'est des pièces explosives, quel enfer ça! C'est des IPK les trucs! Voilà, là il me pique mon pognon, on va terminer, on va mettre 10 balles si on termine, génial, super, gros jeu! Gros jeu vidéo! Quel connard, pourquoi j'ai. Sérieusement? Ça le glyphe de l'équilibre. Bah 41 balles. Putain, j'ai failli rusher le coffre.
Alors s'il bloque avant les 41 balles, scandale hein. Je demande à Edmund Macmillan de me rendre l'argent que je lui ai donné pour son jeu de cartes. Ok, c'est bon. Merci à le chamois pour le siècle. Sim Soprano et Mayuri. Reprime. Se mettre dans un coin, oui, mais bon. Faut lui occasionner du dégât également. Ouais, vous êtes 10 000 encore. Mais ne serait-il pas 1h du matin, pourtant un mercredi? Ah oui, alors je serai offline quelques jours. Jeudi matin, je pars au Portugal pour un mariage d'un pote. Et là, il vient. Il se trouve que ma femme est surchargée de boulot et au dernier moment ne pourra pas y aller. Alors qu'elle avait acheté une robe magnifique et que j'avais réservé une suite d'hôtel du sexe. Donc ça va être le mariage le plus triste de ma vie. Merci Grain44 pour le prime. Et à Giscard Desteski pour le sub. Quoi qu'il en soit. Ah merde! Des bisous YouTube, j'espère que t'as apprécié cette VOD de 8h. Au revoir!